Dos de cabillaud aux pommes de terre, voici la recette. Il va nous falloir 500 g de cabillaud. Il nous faut aussi de la coriandre. 3 gousses d'ail. Le jus d'un demi-citron. Une cuillère à café de paprika. Une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de cumin et une cuillère à café de sel. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une demi-cuillère à café de harissa. Versez l'huile d'olive ainsi que le jus d'un demi-citron. Incorporer les épices, puis mélanger. On va maintenant rajouter la coriandre et l'ail. Rajouter l'harissa, puis à la main, mélangez tous les ingrédients. Maintenant que la marinade est faite, plongez le poisson dans la marinade, puis imbibez chaque morceau. Couvrir notre poisson d'un film alimentaire et réserver au frais pendant au moins une heure. L'étape suivante, c'est d'éplucher nos 5 pommes de terre et de les laver. Découpez les pommes de terre en gros quartiers pour en faire de grosses frites ou potatoes. Dans un plat à lasagne non graissé, on va y déposer les pommes de terre coupées en gros quartiers. Disposer les morceaux de poisson sur les pommes de terre. Avec le reste de la marinade, versez dessus un verre à thé d'eau. Si vous souhaitez, vous pouvez rajouter par-dessus des rondelles de tomates ou des rondelles de poivron rouge, jaune ou orange, à vous de voir. Couvrir notre plat de papier aluminium, puis enfourner à 200 degrés pendant environ 20 voire 25 minutes. Merci à tous d'avoir suivi cette recette et à bientôt. Bisous.